Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Dreamlight Valley. Et comme vous le voyez, j'ai fini par réussir à attraper... Non, 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 reviens là. Par attraper Ursula. Un peu plus, c'était mal parti. Du coup, on devait lui donner l'hydrangée blanche et rouge. Parti. Tu es là, il était temps. Ma fleur, n'es-tu pas un brave fretin? Maintenant, comme convenu, voici le poisson extrêmement rare que tu voulais. J'espère qu'il répond à tes attentes. Alors, affaire conclue. Apporté à Picsou comme preuve du marché avec Ursula. Let's go. On y va. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Tac. Téléportation. Je m'embrouille dans les touches alors que, eh ben, finalement, c'est toujours la même session que l'épisode précédent. Donc Picsou qui doit être à la boutique, j'imagine. Ça me semblerait assez logique. Là-haut. Et bah maintenant que j'ai agrandi, forcément on va le chercher d'autres J'ai d'ombres. une minute à m'accorder. Bonne journée à toi. Formidable. Donc elle voulait quoi en échange de ce poisson-chat? Elle m'a dit d'aller lui chercher une des fleurs les plus rares du village. Je m'en doutais, une véritable arnaqueuse, une des fleurs les plus rares du village en échange d'un poisson qu'on trouve facilement dans les eaux du village. C'est scandaleux, il est temps de dire à tout le monde que c'est une arnaqueuse, elle va voir de quel bois je me chauffe. Au revoir, à bientôt. On va voir Ursula avec Picsou. Alors elle est où maintenant? Ok, elle est chez elle. Elle est chez elle, il y a moyen là. Il y a moyen, on l'attrape. Elle est où? 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 Elle est là-bas. Te Il était voilà temps. enfin! Allez, du balai. Toi, j'ai des preuves de tes petites manigances et elles sentent le poisson. Que se passe-t-il, Picsounet? On a peur de la concurrence. Jamais. Et crois-moi, je vais trouver un moyen de mettre fin à toutes tes pitoyables manigances. Tu peux compter sur moi. Mais comment, alors que tu seras occupé à chercher ça? Bon, on ne sait pas. Ça brille, pas vrai? Regarde de plus près. Cela vient juste de s'échouer sur le rivage. Je suppose que cela doit venir d'un grand trésor quelque part, tu ne crois pas? Nom d'un kilt à bretelles, une pièce d'or, une pièce d'or seule. Et là, oui, il y en a une. Il y en a normalement beaucoup d'autres. Peu importe la raison pour laquelle je suis là. Il faut que j'y aille. Oh là là, elle l'a eu à cause de sa cupidité, c'est triste. Tellement prévisible. Il faut que je te parle. Salutations, voisin. Oh Nash, oublie cette histoire avec Ursula. On a des choses bien plus urgentes à gérer là. Il y a un trésor dans ce village et nous ne pouvons pas laisser quelqu'un d'autre s'en emparer. Je vais tâcher de trouver ce que peut être ce trésor et je te recontacterai quand j'en saurai Ça se plus. vendra comme des fous. Ok, ça, c'est validé. Alors, la prochaine étape de Picsou, il faudra le Bayou de la Confiance. Donc ça, c'est mort. Mahui, il faut qu'il soit niveau 7. C'est possible. D'ailleurs, tu es où, Mahui? Tu es chez toi. Il me semble qu'on t'a mis en minage, donc on peut te faire level up assez facilement. Mahui a toujours du temps pour ses fans. C'est bon de te voir. On peut parler, quitte à être là, j'ai une question. J'ai vu que tu regardais mon hameçon magique, joli, non? Super impressionnant. Extrêmement impressionnant, je suis seul à en posséder un. C'est un club très sélect. Son seul membre, Maui. Alors là, tu m'impressionnes. Bon, allez, on va l'emmener. Allons faire un tour. Et bien sûr, je sais que ce n'est pas tous les jours que tu as la chance de passer du temps avec ton héros. Y a pas de quoi. Est-ce qu'on peut. Lui faire un. Tu veux un poireau? Ouais, j'ai pas de poireau. Le soufflet. J'ai pas la recette. Et alors là, de tête, un soufflet. Waouh.
Bah, je sais même plus quel ingrédient il faut dans la vraie vie. Alors là, tu m'apprécies. Ah ouais, non, là j'ai un trou. Bah tant pis. Hein, tant pis, on va essayer de miner. On va les miner. Ça sera toujours ça de fait. Bien ça, hein, toi, on t'a mis en minage. Hein. Toujours du temps pour ces fans. On peut pas le voir. Je te remercie. Je crois qu'on l'a mis en minage. Eh ben on va miner. Voilà. On en a fait, il est là. Est-ce que ça le level up ? Oui, bah encore un caillou, il est niveau 7. J'avais un peu miné avec lui, hein, en prévision justement. Je l'avais mis niveau 6,5. En prévision qu'on aurait besoin de miner pour le faire level up. Et voilà. Extraction améliorée. Ah bah, reviens, Ah, il essaie de me chercher un truc. Alors, tu veux quoi ? Je veux m'en passer de ça. Tu es là ? Super ! Il faut qu'on y aille. Le village prend forme grâce à tous les trucs cool que j'ai apportés, comme les noix de coco. Que dois-je faire ensuite ? J'imagine que le ciel est la limite. Le ciel ! Ah, c'est ça ! Je me souviens que Dingo avait un truc volant qu'il appelait un cerf-volant. Crois-moi, c'était un grand succès. Bon, va chercher ce dont j'ai besoin pour fabriquer des cerfs-volants pour tout le monde. La brise que j'ai maîtrisée, de rien. Je suis presque sûr qu'ils sont faits avec du bois et de la fibre. Oh, et prends de l'encre pour faire des dessins dessus. Je pense à mon profil, qui n'aimerait pas ça. Alors là, tu m'impressionnes. Ok. Bon, l'avantage, c'est qu'il nous suit. Ah oui, mais je me souviens. S'il nous suit, le problème, c'est qu'on peut plus rentrer chez nous. Ah, j'espère qu'ils l'ont corrigé, ça. Oui, c'est bon, ils l'ont corrigé. Merci, on peut le pousser. Alors, il nous faut de la fibre. Il nous faut 30 fibres. Heureusement, j'en avais pêché en surplus. Du coup, il faut que je fabrique combien de cerfs-volants ? 3 cerfs-volants. Ah oui, il y a toujours du temps pour ces fans. Tu as fait ça, formidable. Bien. Hein ? Maintenant, apporte tes cerfs-volants à des villageois. J'ai dit à Dingo, au vieux bonhomme avec le chapeau pointu et à la petite boîte en métal roulante, Wally, que j'allais leur fabriquer des cerfs-volants. Donc ce serait génial si tu pouvais les livrer. Et surtout, n'oublie pas de mentionner qu'elles viennent de moi. De nous. D'accord. J'adore ma vie. Alors, il faut qu'on trouve le vieux. Ah oh bah, ils sont tous les trois là-bas. Allez, hop là. Wally. Un cerf-volant, mon petit Wally. Tiens, un cerf-volant. Tu sais comment le faire voler ? Il a l'air content. Je suis content que ça te plaise. Évidemment, ils ont disparu. Ah bah Merlin qui est en train de se barrer là-haut. Merlin, reviens. Tiens, cerf-volant. Bonjour. Qu'avons-nous ici ? Un cadeau ? Ah, un cerf-volant ! L'une des premières indications de notre désir de voler. Et un outil merveilleux pour enseigner une variété de concepts de physique. Quelle joie, merci Nash. Vas-y, j'ai affaire. Et il est en train de remonter d'un goût.
On va se l'attraper dans la pente, là. Ça va aujourd'hui ? Tiens, ton cerf-volant. Salut, mon ami ! Saperlipopette, un cerf-volant pour moi ! Quel superbe cadeau ! J'en voulais justement un. Maintenant, je peux m'en servir pour libérer mon autre cerf-volant que j'avais coincé dans l'arbre. Oh. Ah, merci. À plus. Tu es là ? Super. Il faut qu'on y aille. Est-ce que tout le monde aime ses cadeaux ? Qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr qu'ils aiment, ils viennent de moi. Maui, demi-dieu du vent et de la mer, donneur de cerf-volant. Et tout ça dans l'espace d'une journée de travail. Je te suis redevable, camarade. Merci. Oh, et je me suis souvenu de quelque chose à propos des îles. Il y en avait plus. Surtout celle qui se trouve juste au large de la côte, derrière l'île avec un crâne fait de rochers. Elle était plus grande qu'elle ne l'est actuellement. Je me souviens aussi qu'il y avait quelque chose d'important sur cette île, mais je ne me rappelle pas quoi exactement. On devrait aller jeter un coup d'œil. Sortir des îles de la mer est l'un de mes plus grands succès. Suis-moi, je vais te montrer de quel endroit je parle. D'accord, à plus. On va débloquer un nouveau lieu, a priori. Enfin, un nouveau petit bout d'île. Hé, hey, donne-moi un coup de main. D'accord, c'est là que se trouvait l'île. Il y a certainement encore quelque chose au fond de l'océan. Essaie de le repêcher. Y a pas de quoi. Que je pêche quoi? Ah, mais pousse-toi! Là-dedans? Ou le truc doré à côté, peut-être, hein? Oui, c'est peut-être pas ça. C'est ça. Décidément. Mais pousse-toi. Pierre calcaire. Viens par ici. Bah oui, il y a toujours du temps pour ces fans. Donc, il y avait bien quelque chose là-dessous, mais qu'est-ce que c'est ? D'accord, ça me semble étrangement familier. Je me souviens pas de quoi il s'agit exactement, mais ça doit être important. Je vais essayer de percer ce mystère, je te tiendrai au courant si j'en découvre davantage. Ok, donc. Maui, augmenter Maui niveau 10, débloquer les terres oubliées, les hauteurs glacées et la forêt du courage. Ouais, donc Maui, c'est pas gagné. Alors, donc, ça on peut pas. Passer Dingo niveau 6. Dingo niveau 6, c'est envisageable. Dingo niveau 6, c'est de la pêche, je crois. Comment ça va ? Alors. Niveau 5, qu'est-ce qu'il te faut ? Tu veux un hareng ? Eh, ça tombe bien, j'ai un hareng. Voilà. On peut discuter, tu as l'air de t'ennuyer. Saperlipopette, Nash, tu travailles si dur dans le village, j'aimerais pouvoir me rendre utile. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Pêcher ? Oh, je vais pêcher tout le temps et j'attraperai beaucoup de poissons. J'ai même lancé un spécial que je peux te montrer, un lancer spécial. Et tu ne pourras pas faire de chute plus que 9 fois sur 10. Peut-être que tu peux faire autre chose. Bon, à mon avis, il est mauvais en tout. C'est quoi, oublie. Tu en es sûr ? Alors tu me diras si je peux t'aider avec quoi que ce soit. Ok, voilà, ça fait un peu level up. On va aller faire un tour parce qu'il voulait un poisson grillé. Le poisson grillé, je pense qu'on sait le... Je pense qu'on sait peut-être... tac, faire ça. Je pense qu'on sait le cuisiner. Événement, mission, tac. Hein, qu'est-ce qu'il me dit ? La transaction demandée ne peut être effectuée. Ah, c'est dommage quand même. J'aurais bien récupéré moi mes trucs. Bon.
qui veut un poisson. Alors, bouge pas, on va te cuisiner un poisson. Je pense que juste un poisson, ça suffit pour le poisson grillé. Comment ça va ? C'est parfait, il est passé niveau 6. Ah, et nous on a level up. Niveau 18. Ah, je dois avoir toute la tenue quasiment du magicien. Salut ! Salut Nage, je peux inviter mon ami Mickey à manger ? Tu m'aiderais à tout préparer ? Ouais, ça a l'air sympa. Oh là là, ça sera le dîner le plus succulent de tous les temps. Je vais préparer une bouillabaisse avec des produits frais de la mer. Allons à la plage attraper des pétoncles, des crevettes et des palourdes bien fraîches. A plus. J'ai. Non. Là, j'ai. Ah bah non, j'ai pas tout. Non, je voulais pas tout prendre. Elle a pas compté ? Faut que j'aille attraper des crevettes. Ah, mais ah oui, je peux pas me téléporter depuis le... depuis la maison. Allez, c'est parti pour pêcher. Tu m'aurais pas rapporté des trucs, toi ? Non. Dommage. Au moins, ça va le faire level up. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Et je peux tomber dedans, s'il vous plaît ? Voilà. Toujours pas. Je sais pas si c'est forcément dans un banc de poisson ou pas la crevette. Raté. Pas. Bon, on va essayer, mais je pense que non. Je pense que là, je vais juste obtenir des algues. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas grave, hein, ça le level up. C'est pas perdu. Ok, c'est le bleu la crevette a priori. Sauf qu'il faut que je fasse disparaître les coins de pêche pour en faire apparaître de nouveau. C'est raté ça. Ouais, c'est ça, j'ai un peu l'impression que c'est toujours les mêmes. Selon la couleur. Ah non. Ok, j'ai rien dit. Parabon à tout. Comment ça va ? Tous ces produits frais de la mer font un excellent repas. Mais le poisson ne suffit pas pour faire de la bouillabaisse. Il faut des tomates et autres légumes. La recette est plutôt flexible. Voudrais-tu aller chercher un légume à ajouter ? Tiens, prends la recette. À plus tard.
où je prépare deux bouillabaisse. Oh, des légumes, c'est pas ce qui manque. J'en ai plein, j'ai tout un champ de salade aussi. Je l'ai apprise la recette ou... C'est bien ce que je me disais. Ok, il faut forcément une tomate. Alors, ça va être là, la bouillabaisse, oui. Remplissage automatique. Voilà. Alors, j'ai tes deux bouillabaisse, je te les donne. Content de te voir. Merci Nash, c'est vraiment amusant d'aller à la pêche et de cuisiner avec toi. Voilà, Mickey va adorer cette bouillabaisse. Je vais te révéler un secret culinaire et la raison pour laquelle je voulais préparer la bouillabaisse. Plus le nom d'un plat est rigolo à prononcer, plus ce plat est rigolo à préparer. Tout à fait. Si tu veux. Ensemble de vêtements, oui, mais peu importe ça. Tac, tac, tac. Donc les quêtes. Dingo niveau 8, débloqué. Plateau ensoleillé, forêt du courage, bayou de la confiance. Ok, donc ça c'est mort. Ça c'est mort. Donald, on l'a pas débloqué, forêt du courage. Mickey niveau 6. Et bah c'est parti pour Mickey. J'ai plus besoin de toi. Salut mon ami. Merci, au revoir. Alors, où est Mickey ? Chez lui. Oh, j'adore les journées ensoleillées. Salut ! Que penses-tu du village ? Le village est magnifique, tu fais du super bon travail, Nash. Merci, Mickey. Woohoo ! Parle, continue comme ça. Merci, mon ami. Allons faire un tour. Je crois que je t'ai pas du tout level up, toi. C'est niveau... Ah, oui, tu es quasi niveau 6, tu veux un cadeau ? Une entrée de poisson grillé. Ah. Un pissenlit et du riz. Ok. Un pissenlit sagé. Un pissenlit. Tac. Et une entrée de poisson grillé. Je crois pas qu'on l'ait. Non. On va essayer. On va essayer. Moi, je dirais un poisson. Et on rajoute un petit légume. Tomate. Voilà, entrée de poisson grillé. Salut, mon ami. Ah, on l'a bien level up avec ça. Oh là là, c'est gentil. Voilà, level up. Hey, salut. Tu te souviens quand on a vu Minnie pendant un instant au pique-nique ? J'ai pensé à un truc. Je crois savoir ce qui s'est passé et quoi faire pour que ça se reproduise. C'est génial. Oh. Mimi est apparue lorsque je pensais au pique-nique que nous faisions ensemble. J'ai parlé à Merlin et il dit qu'il faut se souvenir d'elle. Il a enchanté le nœud préféré de Minnie. Il appelle ça un aimant à souvenir. Alors, on tient le nœud et on se souvient d'elle. Exactement. Allez, on essaye ensemble. Je me souviens que Minnie adorait porter... des rayures. En fait, Minnie préférait les pois. Voyons voir. Qu'est-ce qu'elle aime encore ? La pâtisserie. Bien sûr. Elle me dit toujours que l'ingrédient le plus important d'une recette, c'est l'amour. Tu sais, tu me fais un peu penser à elle. Elle a même déjà créé un club avec Woody et Anna. Waouh, c'est le nœud de Minnie. Ça chatouille. Je crois que ça a marché. Tiens, prends le nœud de Minnie, Nash. Si tu vas parler à d'autres villageois, on peut le faire charger avec d'autres souvenirs. Reviens me voir quand tu auras fini. Merci, mon ami. Alors, j'avais un autre cadeau pour toi. Oh.
Ok, parler à Dingo et parler à Picsou. On va charger le nœud de Mini. Bonjour Picsou. Salutations voisin. Nah, je te viens acheter quelque chose. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de Mini? Mini? Ah, c'est une chouette fille, une cliente fidèle qui a de très bon goût. Une fois, elle s'est extasiée devant mon fauteuil en tartan. Ça a fait chaud à mon vieux cœur écossais. Excuse-moi, des affaires importantes m'attendent, mais dis-moi si tu finis par la retrouver. D'accord, merci. Je te remercie. Ok, il nous faut Dingo. Bouge pas, bouge pas. Reste là. Ça va aujourd'hui ? Salut Nage, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi. Quel est ton souvenir préféré de Mini ? Mon souvenir préféré ? Ça perd l'hypopète, difficile de n'en choisir qu'un. Mais je dirais que c'est la dernière fois où nous avons préparé une tarte ensemble. Par erreur, j'avais apporté des navets à la place des pommes. J'ai cru que la tarte serait fichue, mais Mini m'a montré qu'on pouvait écraser les navets et ajouter beaucoup de sucre. Et ma tarte était sauvée. Ça fait un bail que je ne l'ai pas vue. J'espère vraiment la revoir. Moi aussi, merci Dingo, je suis très utile. A plus. Salut mon ami. Nash, je suis aux anges de te voir. J'espère que le nœud de Mini a suffisamment de souvenirs pour la ramener. Merlin a dit que nous pouvions activer les souvenirs avec de la Dreamlight. Allons au puits aveux, la magie qui émane du puits devrait l'activer. À très bientôt. Va-t-on faire revenir un nouveau personnage ? Pense. Bonjour. Coucou, tu m'entends ? Oh, je ne te vois pas bien. Mini ? Il faut que tu reviennes. J'essaye, mais je ne crois pas pouvoir y arriver sans aide. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça aide, cela dit. Est-ce que Mickey est là? Il faut vraiment que tu parles. Mickey! Au revoir! Je t'adore, ne l'oublie pas! Mini, tu es là? Tu vas bien? Oui, maintenant que j'entends le son de ta voix. Oh, Mickey, je veux rentrer à la maison. J'ai tout essayé, mais rien ne fonctionne. On va te trouver une solution, Mini. Pense très fort au village. Et à nous. Ok. Tu me manques. Et nos amis me manquent. Mickey. Je ne t'entends plus. Il parle plus. En même temps. Mini, je suis là. Hé, hey, par ici. Hop, disparu. Voilà, c'est fini. Tant pis. Salut. Mini. Oh non, je crois qu'elle a disparu. Que ça fait du bien d'entendre de nouveau sa voix et de savoir qu'elle est en sécurité. Sécurité, c'était pas le mot que j'aurais choisi. Hein. Je crois que le nœud a été vidé de sa magie ou de ses souvenirs. Je dois parler à Merlin à propos de la suite. Mais c'est chouette d'avoir son nœud. Je crois que je vais le garder sur moi pendant un petit moment. Ok, Mickey, c'est fait. La suite de Mickey, forêt du courage et Mickey niveau 8. Donc, ce n'est pas possible non plus. Picsou, Bayou de la confiance, c'est pas possible. Rémi, c'est possible. Ursula, c'est pas possible. Vaiana, c'est pas possible. Wally, ok, il nous reste Rémi et Wally. Et après, pas le choix que de débloquer la forêt du courage. Eh bien, écoutez, ce fut un épisode quand même assez riche. Et nous, on va se mettre ici. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.